Voilà, on pourrait se croire en plein hiver, mais non, nous sommes bel et bien le 1er septembre de l'année 2012, avec 15 cm de neige au col de l'Iseran, une neige qui finalement fond assez rapidement. Certes, on est assez habitué à ce genre de situation, hein. L'année dernière, souvenez-vous, 3 fermetures de col rien qu'au mois de juillet. Là, c'est la première de l'été, en ce 1er septembre, mais regardez comme c'est beau et c'est magique, et ça n'empêche pas les passionnés de voitures de passer ce col de l'Iseran mythique à 2770 mètres d'altitude. Regardez. Ah bah écoutez, je suis venu spécialement d'Avignon chercher de la neige au col de l'Iseran. Hein. Alors, si je l'attendais, oui, j'attendais. Je suis avec ma nièce, voilà. Ça n'a pas été trop dur la montée ? Ah non, on a un peu patiné sur un virage là. Je me suis fait grosse frayeur, mais ça va. C'est très, ça a glissé ? Un petit peu, on l'a cherché.